Salut les gaufrettes! On espère que vous allez bien. Dans un mois à peine, c'est Noël. Une période qui s'accompagne de recettes méga gourmandes. Alors il nous faudrait une recette plus soft. Exactement. Alors que penses-tu de biscuits secs pour le goûter ou pour accompagner le thé? J'en pense que c'est parfait. On peut en proposer deux, maman? Mais oui, pas de soucis. Super, alors découvrons-les ensemble avec le jeu de cette semaine. On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour les sablés, il faudra 150 g de beurre, 100 g de sucre glace, un œuf, 220 g de farine, 1 ml de sel fin, 1 ml d'extrait de vanille. Tu peux remplacer la vanille par de l'eau de fleur d'oranger. Dans le micro-cook, je fais ramollir le beurre 30 secondes à 750 watts. Dans le bol pousse 2,75 litres, je travaille le beurre et le sucre glace. Dans le bol pousse 600 ml, je fouette légèrement l'œuf et l'ajoute petit à petit dans la préparation précédente. J'incorpore la farine, le sel et la vanille, puis je mélange bien. Je poche avec une douille cannelée sur la feuille à rebord. Ça part au four préchauffé à 220 degrés pendant 14 minutes. Pour les craquelins, il faudra 250 g de chocolat à pâtisser, 400 ml de farine, 100 ml de sucre en poudre, 60 g de beurre, un demi-sachet de levure chimique, 2 œufs et du sucre glace. Dans le micro-cook, je fais fondre le chocolat et le beurre 1 minute 30 à 600 watts. Je laisse refroidir. Dans le Speedy Chef, je mélange les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. J'incorpore le contenu du micro-cook, la farine et la levure. Je fouette encore. Ça part au frigo pendant une heure. Je forme des boules avec la pâte que je trempe dans le sucre glace. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Ils sont vraiment délicieux ces biscuits. Oui,
On peut même les offrir dans un panier cadeau avec d'autres gourmandises. On peut aussi les glisser dans le sac pour le goûter à l'école. Est-ce un message, Maëlys ? Je crois bien, en tout cas ça y ressemble. Notre séance est déjà terminée. En attendant notre prochaine vidéo, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, les liens en barre d'infos. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.